Merci d'accueillir très chaleureusement Armelle Dupin et son trio. Merci Armelle. Vous allez bien ? Chouette, moi aussi. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Ce concert, on l'a calé, en janvier ou en février. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à comment j'allais commencer. Parce que comme l'a dit Armand, j'ai fait beaucoup de concerts dans des lieux qui ne sont pas exactement à la même taille que cela, parce que les gens n'ont jamais un salon aussi grand que ça. Et du coup, le rapport est différent. Je suis souvent entouré et là, vous êtes tous devant moi. Donc, ça a un côté un peu... Voilà, mais ça me plaît bien. Et en fait, j'avais envie de vous dire que, comme c'est un concert de jazz, on vient souvent avec des idées un peu arrêtées ou préconçues ou des attentes. Moi, je vous propose de laisser tout ça derrière pour bien être dans l'énergie du moment, de maintenant, et pas dans voilà, une idée de ce que ça devrait ou ça pourrait être. Et moi, pour accompagner ce mouvement, j'ai prévu de ne pas jouer un morceau que je connais, c'est-à-dire que je vais commencer avec une petite impro qui va être finalement au diapason de ce qu'est ce moment, de ce qu'est l'énergie qu'on a là, tous. Et après, j'inviterai à me rejoindre mes deux fidèles compagnons. Donc voilà, c'est la petite impro dite de la Pentecôte.
Merci. Je vois que vous êtes joueur parce que ça m'a inspiré plein de trucs fun. Parfois, c'est une énergie plus intérieure, intime, voire parfois triste. Et en fait, le répertoire qu'on va vous proposer est une sorte de petit kaléidoscope, une palette d'émotions, une palette de choses qu'on vit en tant qu'humain, en tant qu'âme incarnée, en tant qu'énergie, en tant que... voilà, tout ça. Et vous allez voir, c'est un répertoire qui va aller assez haut et bas, assez à gauche, assez à droite. En fait, même si c'est un son de trio, auquel peut-être vous êtes déjà habitué, et bien là, on va le malaxer le plus qu'on peut. Et vous allez voir que ces deux formidables personnes que je vais accueillir dans un instant, c'est pour moi des frères de musique, c'est des très belles personnes, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir à passer du temps hors de simplement la musique. On enregistre beaucoup de sons ensemble. On a une configuration assez originale où en fait moi je me trouve vraiment comme dans un cocon. Donc on transpose notre cocon partout où on va. Donc on est content de le transposer devant vous. Je vous propose de réserver un accueil très chaleureux pour Jules Billet à la contrebasse et Christophe Thio à la batterie. Commencer ensemble donc avec le titre éponyme d'un album qui sort en fait aujourd'hui, qui s'appelle Looking Up, ce qui veut dire regarder vers la lumière. C'est un peu la thématique globale de la soirée, d'être happé comme ça vers le haut.
puis après ce Looking Up, c'était Behind the Angel Face. Oui, j'ai oublié ma serviette dans la loge, heureusement Christophe, lui, ne transpire pas, car il est glace. cette petite compo, à la base, était dans un format un peu comptine, musique de pub. À un moment, j'avais fait des musiques de pub et il fallait faire des petits trucs un peu ce qu'ils appellent dramedy, c'est-à-dire mi-drama, mi-comedy. Dramedy. Et finalement, ce morceau après est devenu un morceau de piano solo et une version un peu reggaeisante avec Brother Jules et Brother Christophe. à présent, une petite évocation de notre part la plus animale, à savoir que évidemment nous sommes une conscience, nous sommes un mental, mais aussi un corps. Et parfois on a tendance à l'oublier, sauf quand on fait du yoga et qu'on transpire bien, ou c'est un peu dur de soutenir les exercices. En tout cas, le morceau qui vient, il parle de ça, ça s'appelle « Loup solitaire ». Thank you.
très chouette de concrétiser cette musique. On l'a beaucoup répétée, beaucoup enregistrée aussi. On a même fait des petits live streams YouTube. Si vous allez voir sur ma chaîne YouTube Armel Dupas, eh bien, vous pourrez nous retrouver les mêmes, mais quelques mois avant, avec pas tout à fait les mêmes coupes de cheveux. Voilà, Jules n'était pas encore brillamment rentré au CNSM de Paris. C'était avant, quoi. C'était une autre époque. Maintenant, nous ferions sur des scènes internationales, n'est-ce pas? Dans ce petit album que j'ai un grand plaisir à vous dévoiler, voici donc Looking Up, un petit album fait main, je vous en parlerai. C'est un album de balade, c'est très agréable en voiture, pour cuisiner, une moussaka? Un apéro, ah oui, Christophe dit pour l'apéro aussi, c'est très bien. En fait, je blague, mais c'est vrai que c'est un album qui s'écoute un peu d'un trait, ça fait 41 minutes, on a enregistré quelque chose de très homogène, le mot péjoratif serait lisse, mais non, homogène. Voilà, sur lequel il y a une balade qui est sortie sur les plateformes de streaming avant-hier, qui s'appelle Baby Cat Please Come Back Home, qui est en numéro 3, et qui nous offre d'embrasser un public international, pour le coup, via les plateformes de streaming. Et ce titre, il a même été sélectionné dans une playlist de Spotify qui s'appelle Relax Jazz Piano. Voilà. Mais qui nous offre déjà pas mal d'écoutes depuis avant-hier, donc on est super contents. Donc si vous l'avez apprécié et que vous n'avez pas envie d'acheter cet album, vous pourrez tout à fait l'écouter en streaming. Voilà, c'est dit.
Merci. Baby Cat, c'était il y a 2 ans, une petite période, un petit peu de mou, petite rupture, voilà, chose qui passe pas très bien. Et du coup, à ce moment-là, pour arriver à vivre un moment difficile, moi j'ai mon petit truc, c'est les standards de jazz. Écouter des trucs bien plombants, style I'll be seeing you, je te reverrai partout où j'irai, voilà, des trucs qui là, font bien mal. Et puis au final, quelques temps après, je me suis dit, mais je vais en composer un, comme ça au moins il prendra pour tous les autres. Dans notre répertoire, donc ça c'est plutôt des compos, vous avez entendu jusqu'à présent, et dans ce répertoire, on a eu aussi envie de prendre des choses qui avaient du sens pour nous, et d'en faire des reprises, ou en anglais, des covers. Voilà, cover, c'est le terme aujourd'hui à la mode. Vous avez fait des covers? Des quoi? Ah, des covers. Ah, des reprises, mais oui, bien sûr. Donc, il y a une reprise, il y en a même 5 sur 9, donc la moitié. Celle-ci, c'est un titre de Vladimir Kosma, qui avait donc beaucoup écrit, composé pour le cinéma, la télé. Et parmi son impressionnante œuvre, il y a un thème qui, moi, m'a toujours beaucoup plu. C'est celui qui avait servi à le château de ma mère, la gloire de mon père, le château de ma mère, qui était des adaptations télévisuelles d'œuvres de Pagnol. Au début des années 90, Jules n'était même pas, voilà, n'existait même pas. Donc, j'ai déjà les cheveux blancs, 93. Toi aussi, non, pas encore. Non, toujours pas. Ça mal. Il est classe, vous voyez, il ne transpire pas, il n'a pas de cheveux blancs. Le batteur parfait. Et donc, ça s'appelle Habanera, ce qui est un rythme un peu en mode cubain, Habanera. Oui, on peut dire ça. De là-bas, quoi. Par là-bas. Ok. Voici Habanera, et le thème est joué par Jules, donc c'est un peu un des morceaux. Waouh, vas-y, Jules. Thank you.
Nicolas et Chris Pasquier à la batterie. Yeah. Est-ce que vous imaginez le kiff que c'est d'être là, d'avoir ces deux espèces de Formule 1 derrière moi, j'ai juste à rien faire et ça joue tout seul. Sort of. Alors, je vous avais un petit peu annoncé qu'on allait passer de Coca-Cola, non, on ne sait pas ce qu'il faut dire, d'une palette très lumineuse comme celle-là. Jusqu'à ce matin, en fait, il manquait à ce répertoire. On avait prévu d'autres choses, j'ai changé à peu près 8 fois en moins de 24 heures. Il manquait un truc qui nous ramène un peu vers la Terre. Et en fait, j'ai puisé dans mon répertoire solo, ce qui fait que je vais jouer un morceau solo. Figurez-vous que c'était l'an dernier, j'ai fait une petite expérience sympa qui s'appelle l'hypnose régressive quantique. Alors ça me fait pas mal, ne vous inquiétez pas. On est allongé pendant quelques heures et on voyage. On voyage dans des endroits qui nous étaient jusqu'alors inconnus. Et après c'est enregistré, donc on peut réécouter, ce qui est pas mal. C'est un peu comme un très très long disque. Cette expérience m'a valu de me reconnecter avec une espèce d'émotion qui souvent... elle n'est pas bien accueillie, elle n'est pas bien vécue, ça c'est la colère tout simplement. Et donc je me suis dit, bon, bah, pour lui faire une place dans ma vie et dans mes répertoires de musique, et ben, je vais lui composer un morceau. Donc ceci s'appelle donc La Colère. Et pour aller un peu plus loin que juste balancer de la colère comme ça, le morceau n'est pas du tout violent, il est assez pincé, je dirais. Eh bien je me suis dit, je vais l'appeler ça La Colère est mon allié, ce qui en fait en anglais s'est transformé en anger is my ally.
La faute de la jeunesse. C'était une... Moi, je suis le genre de gars qui part, quitte la scène, mais fait jouer une de ses compos. Et le mec, un melon... Oh là là, au secours. C'était Petite Bretonne. Après, cet intermède breton, on revient à encore une autre expérience un peu métaphysico-spirituelle de l'an dernier qui s'appelle non plus hypnose régressive quantique, mais Human Design. Un autre truc que je vous recommande, qui est vachement intéressant, c'est entre l'astrologie, des choses comme ça. Je le présente de manière un peu fun, mais en vrai, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'était en anglais, une session par Zoom avec une dame qui habite en Israël. Et puis, qui à un moment me dit, ton profil, ça s'appelle Graceful Listener. Ok. Et en fait, j'ai processé ce truc un peu longtemps dans ma tête avant de me dire, en fait, c'est vrai que j'aime bien écouter, comme j'étais là à l'instant, sur le côté, mais avec grâce. Bon, on dirait que j'écoutais sur le côté avec grâce. Ça veut un peu rien dire, mais en fait, ce truc, Graceful Listener, et non pas Grateful, qui aurait été plein de gratitude, non, là, il s'agit bien de grâce. Eh bien, il m'a inspiré le morceau qui vient maintenant, qui est un peu poppy style façon Norah Jones, parce que Christophe Huot fait ça très très bien, et donc il fallait absolument qu'il y ait un morceau qui soit dédié. Graceful Listener.
Merci beaucoup. C'était évidemment très chaud au cœur de partager cette vibration. Et mon ami coach scénique Hélène me dit toujours, accueille les applaudissements. Parce que des fois, on est un peu timide, on fait dada, d'accord, merci. Mais moi, j'accueille. Alors, figurez-vous que j'ai compté, vous êtes à peu près 325, et j'ai à peu près 325 exemplaires de ce petit objet. Fait main. Alors, fait main dans le sens que j'achète séparément chacun des petits trucs qui constituent cet objet. Donc, j'ai fait faire ce tableau, c'est un tableau que j'ai utilisé d'une artiste de Vendée qui s'appelle Cléomie, qui est très chouette. Et après, j'achète la pochette carton, le petit sticker, je fais le CD moi-même, etc. Donc, c'est vraiment une fabrication artisanale. Il y a mon ami Georges Pazinski, qu'on a croisé il n'y a pas longtemps, qui est un batteur, qui disait que dans un des ouvrages de Igor Stravinsky, je crois, il dit « art, artiste, artisan ». Et moi, j'aime bien cette idée d'artisanat. Donc, il y en a quelques-uns qui seront disponibles juste après le concert dans le hall, là-bas, que nous ferons un plaisir de vous dédicacer, bien évidemment. Cet objet coûte 20 euros, fait main, pièce. Et si vous êtes venu sans monnaie trébuchante et sonnante, j'ai un petit appareil à carte bleue. Donc voilà, vous êtes un petit peu cerné. Si j'ai venu, je ne ferai pas les malins. Et si jamais on est en rupture de stock, eh bien en fait, il y a un petit livre d'or jaune que je mettrai juste à côté. Et même si vous avez envie d'autre chose que d'un CD, vous pouvez mettre votre adresse mail, comme ça on reste en contact, vous savez quand est-ce qu'on se produira. Dans le futur, voilà, très simplement. Juste avant de vous quitter, je check, Christophe m'a passé son petit appareil pour voir le timing. On est à 56 minutes 11 au moment où je vous parle, et il fallait qu'on tienne à peu près dans une heure, donc jusqu'ici ça se tient parfaitement. Je trouve que ça, c'est faire preuve de professionnalisme, n'est-ce pas? Et on se quitte avec une de mes vieilles compos, réarrangée pour le trio, qui s'appelle Les Plaines de Mazerolles, et je vous retire un petit mot, Les Plaines de Mazerolles. Thank you.
Mathieu à la batterie. À la contrebasse, Jules Pignot. Merci. Évidemment toute l'équipe de ce merveilleux festival auquel nous avons la chance d'avoir joué. Le premier à m'avoir contacté, c'est, je pense, son directeur artistique, c'est Pierre Mignot. Je voudrais qu'on l'applaudisse. On a été très bien accueillis par toute cette équipe. Alors on n'a pas encore croisé les bénévoles parce qu'on a choisi d'aller manger après. Mais en l'occurrence, on a déjà croisé des pros qui nous ont permis d'avoir cette salle magnifique, ce piano magnifique. Aux lumières, c'était Clément. Au son, c'était Alexandre. Et à la régie plateau, Clovis. Merci Clovis. Et ensuite, tout en douceur, avec une composition d'une chanteuse californienne que j'aime beaucoup et que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Nathalie Dorn. Et d'ailleurs, son album est sorti cette semaine. Il s'appelle, je crois, Garden View. Et la chanson qu'on joue maintenant s'appelle Follow the Light. Vous voyez, tout le répertoire était un petit peu pensé autour de la thématique de la lumière. Merci pour votre accueil. Et on va vous laisser après en excellente compagnie du trio de Lou Tavano, qui est une chanteuse que j'avais rencontrée il y a très longtemps à Cré. Et donc, je suis content de la retrouver ce soir, et on va manger après tous ensemble. Mais après, il y aura un concert. Hop.